Bizimana Katia Washington. Balobi Mama Marthe Nde. Mama Marthe Nde. Balobi Shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko ya. Chers internautes de Congo Vert TV, bonjour. Nous sommes ici à la 11e rue d'où une structure vient de se créer. C'est Madame Brigitte Muleka qui a créé cette structure, les amis de Madame Brigitte. Alors, c'était une occasion pour elle de distribuer de pain et de bassin à ces chères dames pour se débrouiller. Sur cette place, il y avait des femmes veuves. Elles sont contentes de louer cette initiative que cette maman a donnée aux femmes. Alors, je vous laisse suivre cette ambiance. Vous allez voir vous-même comment est-ce qu'elles sont heureuses et joyeuses. Et je vous retrouve tout juste après. Les amis, qui sont-ils maquillés?
tondimaki musala oyo pote asali pona ko soutenir mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi alobaki ke tokokozela misala nyonso kaka président apesa biso te bango mpe bazali pona ko soutenir ye basala mpe baassociation na bango lokola ONG pote basunga mpe bamama biso tondimaki pona kozala na kati ya ONG na ye pote tosala mpe mosala oyo mama Brigitte asepeli kopesa biso mosala ya mapa biso bato tosepelaki bamosusu baboyaki balobi ke bako kosala mosala ya mapa te sikoyo message nini okoki kopesela bato oyo bazalaki na activité oyo te bato oyo bayaki te message nini okoki bato oyo bayaki te oyo basabotaki mosala oyo naza kokonseye mingi oyo bavandi baza na mosala ya kosala te bandima mosala oyo po ezali kobakisa implice na foye na bango omoni ntango yo ozali kosala ozali kobakisa implice na papa mpe tozali na bamama mosusu bavere mosala oyo mpe ekosunga ye ekosunga ye na bana olieke azela metandi na moto akabela ye me sikoyo azosala ye moko akozala bien servi merci mama. En fait, c'est la journée de la femme aujourd'hui, la journée internationale de la femme. On célèbre aujourd'hui, comme l'a dit l'ONU Femmes, et qu'en fait, nous sommes en train c'est l'autonomisation de la femme. Et nous, nous avons lié l'utile à l'agréable. Nous avons profité de cette occasion pour sortir notre plateforme dénommée Les Amis de Brigitte Muleka, qui a comme vision d'accompagner la vision des chefs de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, socio-économiques des Congolais. En fait, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on se retrouve nous tous ici. Mais j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme je suis membre de l'UDPS, j'ai préféré commencer d'abord dans notre propre famille qui est l'UDPS. Donc, au moment où on parle, on vient d'attribuer à plus ou moins 200 femmes l'outil du travail qui est le bassin qui va leur permettre de pouvoir faire une activité commerciale qui est la vente de pain et à la fin du mois, elles seront rémunérées. Pourquoi les choix de pain par rapport à l'entrepreneuriat de la femme? Il y a beaucoup d'articles, pourquoi seulement le pain? Le pain, c'est en fait, moi, de prime abord, je suis une femme entrepreneur. J'ai une unité de production, une unité de production dans la panification. Donc ça fait plusieurs années que j'œuvre dans cette activité. Alors j'ai trouvé bon, ce que j'ai en main, c'est tout ce que je pouvais d'abord donner. Alors j'ai préféré d'abord donner, comme le pain, c'est les produits qui sont les plus consommés dans notre société, surtout dans la capitale, qui est Kinshasa. Alors j'ai préféré d'abord commencer par ce que moi-même j'ai produit, qui est le pain. Alors j'ai donné l'occasion aux femmes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de capital, qui n'ont pas de fonds, qui n'ont pas un moyen de commencer une activité. Alors moi je suis là, je les ai boostées. On va commencer avec cette activité, mais cela ne va pas s'arrêter, ça c'est à court terme. Mais nous allons commencer par là et voir dans quelle mesure nous pouvons progresser pour une finalité d'une création d'une coopérative. Bon, je vais répondre à la dernière sous-question. En fait, cette période, c'est le mois de la femme. Okay. Comme j'ai dit, j'ai lié l'utile à l'agréable. Donc, j'ai profité parce que tout le monde parle de mois de la femme. La journée internationale de la femme n'est pas seulement des pagnes, n'est pas seulement la danse ou bien la musique ou bien je sais quoi dire encore. Mais en fait, nous voulons faire sortir la valeur de cette femme-là en lui donnant une activité rémunératrice. Donc c'est cette activité qui va promouvoir cette dame afin qu'elle puisse aussi être utile dans la société. Et quoi, madame, alors, ce n'est pas une façon pour vous de préparer déjà votre campagne aux élections 2023 aux autorités. Par rapport à votre autre sous-question, je ne œuvre pas seulement à Kinshasa. Je suis dans d'autres provinces, en l'occurrence la province du Kasaï, le Grand Kasaï. Dans les Grands Kasaï, nous avons des équipes qui travaillent d'arrache-pied
pour pouvoir venir en aide aux plus démunis. Nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'élevage, nous sommes aussi dans la formation, en fait, dans la formation des femmes pour l'indépendance financière et économique. Donc, on n'a pas commencé seulement ici. En ce moment où on parle, il y a d'autres équipes qui sont en train de travailler, en train de m'attendre la semaine prochaine pour que j'aille rencontrer les autres femmes qui m'attendent en Gandanjika, en Bujimaï et puis à Benakalambay. Le fait de voir quelqu'un en train d'assister les autres femmes ou les autres communautés, il lie directement ça à quelque chose qui est du genre qu'est-ce qu'elle est en train de chercher derrière cette activité ou derrière cette initiative. Si j'ai été bénie, je suis une femme leader, donc il faut essayer d'assister les autres qui n'ont pas encore les moyens d'être à notre niveau, les relever parce que nous en avons assez avec ce qu'on appelle la théorie. Nous sommes dans la pratique. Alors moi, je ne veux pas passer mon temps en train de discuter sur des théories dans les réseaux sociaux ou bien dans les médias. Pourquoi c'est mal avoir choisi la date de 8 mars pour le lancement des La date du 8 mars, je l'ai bien dit, que c'est une journée où on commémore la journée internationale de la femme. On valorise la femme, on veut lui donner l'occasion de s'exprimer et de faire sortir ses valeurs entre celles qui se trouvent en elle. Alors pour moi, en tant que femme, entrepreneur et philanthrope, je me suis donné cette peine de pouvoir faire sortir ces valeurs de cette femme-là. Merci beaucoup. Alors merci de nous avoir suivis et je vous retrouve tout juste après avec un autre élément. Merci et restez bien chez vous et bonne fête à vous les femmes de 8 mars. Bino moko, bako ane la gino, kolia na apeti.